Come in, do you have anyone else? Voilà! 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 Putain, je suis épuisé. Ça ressemble à rien. Impeccable. Voilà, on est heureux. On est heureux, braves gens. Alors, comme on est heureux, on se replonge quand même dans la culture et la lecture, car je suis un lecteur assidu, comme on dit, braves gens. J'ai la collection entière des livres d'Éric Molas. Terrible. Il y a encore une étoile, merde. Tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. On est revenu, bienvenue. On est revenu, ça ne lag plus, on est bien. On est bien, impeccable. Est-ce qu'on peut remettre la musique un peu? Voilà, on en discutait. Hop, de l'aléatoire, donne-moi tout. Voilà, très bien. Petite musique de Rocky Legends. Celle-là est garantie, c'est moi qui vous la donne. C'est offert. Bouc, allez. Du coup, disais-je, on a étions-nous. Qu'est-ce qu'on prend? On est à 30K, putain. 30K, impressionnant. Merci infiniment. 30K lors de la première soirée. Vous avez débloqué la deuxième tier liste. T'étais en train d'expliquer le Muggle Uchronie. Oui, absolument. Absolument. Muggle Uchronie, c'est situationnel, encore une fois. Snape Bashin, c'est quand on chie sur Severus Rogue. C'est marrant, mais c'est facile. Voilà. C'est marrant, mais c'est très facile. C'est un peu facile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de... Voilà, tu peux en faire un méchant très facilement, si tu veux. Donc, forcément... À mon avis, c'est pas nécessaire. À mon avis, c'est pas nécessaire. C'est bon. C'est mon opinion. Voilà. Même là. C'est pas top, c'est pas ultra intéressant. Le live se coupe toutes les 3 secondes. Ah bon? Mais je vous ai mis en 1080p 60 fps là, c'est imbloquable. Non, c'est bon, ça va, ça marche. Ok, très bien. Du coup, mauvais garçon qui a vécu. Ça, c'est les histoires où ça commence. Harry Potter, il a un frère jumeau et c'est lui le boy who lived, tu vois. Et moi, je les aime pas, celles-là. Je les aime pas du tout. Parce que ça rajoute des persos supplémentaires qui veulent rien dire et je trouve pas ça sexy. Je trouve pas ça sexy. Mais... Je trouve pas ça sexy. Mais, braves gens. Les histoires... 1 million, 100 000 euros. Oh! Les histoires où c'est Neville, le véritable héros. Où c'est Neville, le gamin qui a été choisi par la légende, si tu veux. Ça peut être intéressant, hein, ça peut être intéressant. Mais même, c'est difficile à construire. Honnêtement, c'est des tiers. Ah mais je vois qu'on peut en faire quelque chose, donc c'est tiers, parce que c'est comme Dark Harry ou Mod Allié, on peut en faire quelque chose. C'est moins situation que situationnel. Situation, c'est vraiment tu peux pas savoir. Là, tu peux prédire d'avance que ce sera pas top. Si c'est bon, c'est rare. Voilà, c'est ça en fait. Je suis en train de mourir de faim et de soif, il faut absolument que je m'hydrate. Putain mais c'est le... D'accord. Et Zera qui était là. Non mais dégueulassez pas. Bravo Zera, ouais, on est bien. Donc disais-je, voilà. Donc pour moi c'est un peu garanti. Alors, Ron bashing, le fait de chier sur Ron. Quoi? C'est toujours marrant. Pour moi c'est toujours marrant. Parce que il y a de bonnes raisons. Voilà. Là, ça mérite un peu. Bêtière en vrai, ouais, c'est vrai. Allez, c'est vrai que c'est bêtière.
Ron bashing, c'est bêtière. Moi, j'aime bien, j'apprécie. De temps en temps, on lui parle mal. C'est gratuit. C'est gratuit. Redemption Arc. Les Redemption Arc. Quand c'est bien fait. Les Redemption Arc, quand c'est bien fait, c'est Kino. Voilà. C'est Kino as fuck, il faut le dire. Redemption de qui? Que ce soit de Rogue, que ce soit de Draco. J'ai lu une Redemption Arc avec Bellatrix l'étrange. Et ça, c'était dingue. Parce que quand t'as Bellatrix l'étrange qui se retrouve face à Hermione et qui doit faire sa Redemption Arc alors que Hermione, elle a littéralement tatoué sang de bourbe sur le avant-bras, si tu veux. Ça, c'est du miel. Redemption Arc, c'est quand un méchant devient gentil et se rachète. Par un sacrifice ou par un changement de progressif. Béatrix, mais dans quelle dimension pété? Dans la dimension en fait que Harry, comme c'est un Horcrux de Voldemort, avait réussi à convaincre Béatrix qu'il était le véritable Voldemort, si tu veux. Et petit à petit, il l'a réparé. Ça a pris du temps. Mais du coup, voilà. Et ça, c'est Kino. Et après, quand Béatrix, elle retrouve Narcissa, oh, j'ai pleuré. C'est beau. Quand on la trouve au roi aussi l'autre sœur. C'est bon. Mais voilà. C'est garanti, tu vois. C'est garanti. Du coup, Voldemort wins. Situationnel. Full situationnel. Bah moi je dis c'est une uchronie moldue. Hop. Full situationnel à mon avis. Le fait que Voldemort ait gagné, c'est très situationnel. C'est un peu comme la fin du film Zack Snyder, vous savez, le Justice League de Zack Snyder, le complet. Où t'as Batman, le Joker et trois Pégus, ils sont dans le désert et ils essaient de fuir Superman qui est devenu méchant, tu vois. Donc, voilà. J'ai toujours pas compris Shopping Trips. Shopping Trips, c'est quand Harry il prend de l'argent dans sa banque et qu'il se dit si on allait acheter 2-3 trucs, genre un coffre. Qui se passe la taille d'un appartement, des armes, genre des armures, genre en fait c'est le shopping trip, c'est la phase dans Matrix où Neo il fait apparaître les flingues, tu vois. Ça c'est marrant. Voilà. Time travel. Situationnel. Mon opinion est que c'est situationnel. Ça peut être très bien faire, ça peut être de la merde, c'est très variable. Time travel, il y a tout et rien, je suis parfaitement d'accord. Complètement d'accord. Donc ça, c'est valide. Mesdames et messieurs, il est minuit passé, je tiens juste à dire que c'est l'anniversaire de DLG, donc bon anniversaire! Oh! C'est... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire DFG, joyeux anniversaire. C'est vieux. Eh bien, félicitations à lui pour avoir survécu une année de plus. C'est compliqué. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que je suis en train de me déshydrater, il faut que je bois. Severitus, ce sont quand Severus Rogue, il est pas méchant, il est juste ultra sévère. Genre, il adopte Harry, ou genre, il est dur, mais pour une raison. Ou genre, Harry, il commence à développer une relation avec Rogue parce qu'en fait, il se rend compte que Severus Rogue,
de tous les adultes, c'est le seul à jamais lui mentir. Il parle mal, il l'insulte, il le traite comme de la merde, mais il ne lui ment jamais. Or, Harry Potter, constamment, se fait mentir par les adultes. Il se fait mentir par McGonagall, il se fait mentir par Voldemort, il se fait mentir par tout le monde, si tu veux. Voilà. Et on me dit Severitus, ça veut dire que Harry, Severus est le père de Harry. Ouais, mais que ce soit son père biologique ou pas, c'est très souvent ça, en fait. Donc, Severitus, moi, je dis oui. C'est même... c'est même là. C'est même là. Je le mets là. Je le mets là. Gentil. Garantie. Là. Là, on est pas mal. Là, on commence à être pas mal. C'est quoi? Demandez la question au chat. Arrêtez de demander d'expliquer. Il fallait écouter. Je pense que comme ça, on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Resorting, c'est quand Harry ne va pas en Gryffondor, mais qu'il va vraiment là où il devrait aller, que ce soit Serpentard ou Serre d'Aigle. C'est quand Neville, il va en Poufsouf, comme était son destin, si tu veux. C'est quand Hermione, elle va en Serre d'Aigle. Parce que dans quel putain d'univers vous m'expliquez qu'Hermione, elle va en Gryffondor, si tu veux. Putain, j'ai fait planter mes musiques. Putain, j'ai fait planter mes musiques. Contrôle te supre. VLC, il faut mourir. J'ai paumé mes musiques, je reviens. Je réinstalle mes musiques et je reviens tout de suite. Hydrate-toi, j'ai le temps. Je ne vais pas mourir tout de suite. Oula, ça c'est DFDA. Fais du bruit. J'ai pas le droit de cette musique, très bien. J'ai pas le droit de cette musique. Par contre, celle-ci, j'ai le droit. Voilà, let's go. Voilà, ça j'ai le dos. Impeccable. Donc, disais-je, alors que le métal nous prend, le resorting, c'est donc quand Harry ou d'autres personnages vont dans d'autres maisons. Et ça, c'est bien. Quand ça commence comme ça, resorting, c'est un sorting en cours d'année post-année 1 et pas direct à la première année. Ah non, Del Narzoc. Si c'est ça, c'est des tiers. Mais moi, je prends ma définition du resorting qui est que ils vont pas dans la bonne, dans la maison qui est canon à leur personne. Et Ron va en Serpentard et ça, c'est fun. Parce qu'il est débile, mais ça veut pas dire que le mec il se pète pas plus haut que son fion, si tu veux. Garantie. Mais je vais mettre là. Je vais mettre là en B moins. En B moins, je pense que c'est légitime. Indy Harry, c'est un. Alors Indy Harry, pour moi, c'est un Harry qui va explorer des ruines. Un Harry qui voyage, tu vois. Non, mais voilà. Ouais, Harry solitaire. Harry Dan. Non, mais c'est le Harry qui va dans des... C'est pas indépendant solitaire. Bon. Harry solitaire et aventureux. Indépendant Harry. Oh, indépendant Harry, c'est toujours bien. Indy Harry, apparemment, c'est indépendant Harry. C'est Harry qui dit, niquez-vous. J'ai besoin de personne. J'en ai marre.
Démerdez-vous avec votre pays de merde. Je m'occupe pas de Voldemort, je parle pas à Hermione, je parle pas à Ron, je parle pas à Dumbledore. Tout le monde m'a menti, de toute façon. Tout le monde me traite comme de la merde. Je me démerde maintenant. Je suis un seigneur. Niquez vos races. Voilà. Ça, c'est fun. Ça, c'est fun. C'est solo leveling Harry, ouais. Solo leveling Harry, c'est fun. Ça donne des trucs sympathiques. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de la nouvelle que j'avais donnée il y a longtemps sur Twitter et sur Twitch et tout ceci? Où c'est un one-shot, où en fait c'est Morning Myrtle qui interroge Harry Potter pour avoir assassiné Albus Dumbledore et Grindelwald. Alors qu'en fait Harry Potter c'était un voyageur temporel et que l'assassinat a évité tellement d'emmerdes que le gars on lui redonne une deuxième chance en fait. Et c'est ultra drama. Mimi Géniard dans FR, absolument. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Unsealed. Oh là là, Unsealed. Qu'est-ce que... Pardon, excuse-moi. Voilà. Unsealed. Le truc s'appelle Unsealed. Ça s'écrit comme ça. Pour ceux qui savent lire l'anglais, lisez-le. Il est court. Voilà, je spam. Il est court. C'est 5 pages. Oh là là là. Drama. Et ça, c'est fantastique. Whistler bashing, c'est toujours fun. Mais moins que Ron bashing pur. En vrai, je le mets là. Allez. Le fait de taper sur Whistler. Muggle wonk, qu'est-ce que ça veut dire? Muggle, c'est moldu et wonk, c'est la branlette. De la branlette de Moldu, ça veut dire en fait que... Tu sais, il y a Voldemort là, il attaque Londres avec ses 30 mange-morts, parce qu'ils sont 30, tu vois, ils sont pas ultra nombreux. Il attaque Londres avec ses 30 mange-morts et il s'attend à ce que ça se passe bien. Puis là, il y a 30 mange-morts qui tombent parce qu'il vient de se prendre un putain de tir de missile balistique, Nick Taras! GeoGuessr, pardon, excusez-moi. Mais pour tout vous dire, voilà, moi j'aime bien ce genre de truc où ça marche, quoi. Mais j'ai lancé un Avada Kedavra. Ouais, mais ça, c'est un tank. Bouk. Tiens. Et que finalement, ton petit bouclier de Pezouille, tu t'es pris un obus dans la fif et t'as été fendu en deux, si tu veux. Voilà. Donc moi, je trouve ça sexy as fuck. Voilà, j'ose le dire, je trouve ça sexy. Voilà. Reprenons la musique, on a été long, on a été là. Très bien. Ok. Donc moi, je trouve ça sexy as fuck. Donc le Muggle Wonk... Ça va là. Voilà. Moi, je trouve ça fun. Le Muggle Wonk, ouais. C'est quoi? Harmless Funtier. Voilà. Ça, c'est marrant. Helpful Goblin, où les gobelins conseillent Harry. Où les gobelins sont là, écoutez, on a travaillé sur vos investissements et on a remarqué que Dumbledore vous voulait de l'argent, en fait. Vous êtes sûr que vous voulez que ça continue? Comment ça, que ça continue? Vous avez 11 ans maintenant, c'est votre taf. Vous voulez que ça continue ou pas? Et quelles sont les options? Pour la somme modique de 100 galions, on peut vous conseiller, si tu veux. Moi, je trouve ça sympa. Ça, c'est sympa. Et je personnellement, c'est toujours marrant. C'est bien écrit. C'est quoi ça, va là? Hop. En dessous les politiques. Mais c'est toujours marrant ça. Les gobelins qui helpent, c'est toujours marrant parce que ça donne toujours des situations qui sont un peu fun. Fixit. Pour moi, Fixit, c'est quand ils reviennent dans le temps pour réparer ce qui s'est mal passé. On me dit, c'est ça.
Oui, la fanfic de Rops, où il est adopté par les gobelins, c'est fantastique celle-ci. Alors encore une fois, elle a le problème de toutes les fanfics de Rops, c'est-à-dire qu'il prend Hermione, il prend Harry, et il fait maintenant « Sucez-vous la bite », tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Rops, il fait ça. Mais toutes ces fanfics sont bien, sinon, quand c'est écrit. Voilà. Quelle différence avec Time Travel ? Time Travel... Pour moi, time travel, c'est quand il remonte dans le temps et que du coup, il existe en double. Genre, il est lui-même son propre prof, tu vois ce que je veux dire. Ah, Fix, c'est pas une fille qui suit. Si vous avez un autre Fix it, story with scanning game, that Fix, autant. Ah ! Alors, Fix it, ou plus connu sous le nom de Fix it, réfère aux histoires qui réécrivent des événements canon que l'auteur de la fanfiction, ça lui a pas plu. C'est à chier. C'est à chier, le mec, il redconne. C'est des rustines, c'est dégueulasse, on s'en bat les couilles. Ouais, pardon. Désolé, ouais. C'est à chier. Magical Cores. Comprends pas. Si quelqu'un comprend ce qu'est le trope, pourquoi pas, mais je vois pas le... Oui, je sais ce que c'est. Ah, Magical Cores. D'accord, c'est ça. C'est quand il parle du mana pool, en fait. C'est quand il parle du nombre de MP que les persos ils ont. Ah oui, voilà, et que ça grandit et tout. Ouais, non, ça, c'est un bel outil. Et tu sais que généralement, ça va partir en sucette quand ça arrive, donc c'est marrant. C'est les midi-chloriens. Voilà, c'est le power level. C'est les power level. C'est comme les shopping trips. Tu sais que quand il y a un power level qui est mis en avant, il va se passer des trucs. Voilà. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, toujours intéressant. Créature inhéritance. Est-ce que ça veut dire que Harry découvre qu'il est à moitié centaure, tu sais, ou une connerie comme ça, tu vois, ou il découvre que il a du sang de quelque chose, du sang de métamorphagus, c'est le plus commun, si tu veux. C'est bof. Très sincèrement, c'est bof. Il est déjà fourche-langue. Il est déjà fourche-langue, donc c'est pas... Ouais, Harry Ichigo, c'est exactement ça. Il est déjà fourche-langue, donc c'est pas intéressant. C'est peu intéressant. Voilà. Et enfin, le voyage dimensionnel. J'en ai lu une qui était incroyable. Où Harry, il avait le power level de 10 milliards de vies. Où il voyageait dans chacune des dimensions pour y vaincre le Voldemort qui s'y trouvait, si tu veux. Et que dans ces multidimensions, dans ce multivers, il y avait un Voldemort qui était comme lui et qui bouffait les autres Harry, en fait. Et il me semble, la fanfic, elle dure 10 000 chapitres. Elle est en 3 fanfics, si tu veux, elle est en 3 suites. Et à la fin, ils pètent l'univers tellement fort, ils sont dans le bureau de l'auteur, quoi. Genre, c'était stylé. Mais c'est Rick et Morty, ouais. C'est Rick et Morty. Créature inhéritante, c'est pas shitier CD. Ah, je veux bien CD. Multivers, je sais pas, j'ai pas les titres, je m'en souviens pas moi, mais ouais, mais je sais pas du coup où la mettre parce que c'est des trucs qui sont, ouais, c'est situationnel. C'est situationnel. Harry Potter and the Wasteland of Times. Lenny Riff, tu l'as lu? Oh! Oh, tu me fais plaisir, c'est celle-là. Harry Potter and the Wasteland of Time. Et celui-là... Celui-là, elle met un power level, mon gars, c'est DBZ. Les power level sur power level sur power level, à un moment, c'est pété. Hermione, elle meurt 1000 fois. Enfin, incroyable. Mais voilà. Je pense que... je l'ai commencé trop longue. Ah bah oui, c'est la vie. Je pense que voilà. Ma promesse présidentielle des 10 000 balles est accomplie.
On a fait 15 000, 20 000, on a fait 25 000. Il manque la promesse présidentielle des 5 000 et des 30 000. On fera ça demain, quand j'aurai eu le temps de faire des intros proprement pour le Torneo del Poder. Je rappelle que Fred a accepté d'y participer, ça c'est garanti. Voilà. Mais c'est garanti, c'est garanti. Très bien, très bien. Bon, j'ai envie d'atteindre 65 000 balles en vrai. En vrai, c'est garanti. Hein. Donne-nous des heures. J'ai pas donné des heures pour l'instant. J'ai pas donné des heures. Alors, attends. Non, attends. Laisse-moi revenir. Laisse-moi revenir. Je suis pas parti. Je suis pas parti. Brave Jean, j'aimerais obtenir de quoi me nourrir et de quoi m'hydrater un tant soit peu, un minimum. Quitte à... Merci, Kyunshin. Quel connard. Quitte à revenir auprès de vous le plus vite possible, d'accord? Est-ce que vous m'autorisez à m'absenter pendant quelques instants? Je vais essayer de faire aussi vite que je peux, mais après on reviendra pour du Zelda, Panoplia Calatia, jusqu'à tard dans la nuit. Voilà. En attendant, des intros. Bah alors? Bah les intros! Frère, pourquoi... Il n'y arrive pas. Les intros?
Pardon, j'ai eu le temps de me choper un velouté de potiron, la suite. Cette terre vaut du bling, bling pour le king, plus cher qu'un vase bling. C'est que ça pour tous ce Kyugawa. Attention,
C'est non. Attention. Voir ne pas surpolluer le chat non plus. Attention. Avec des 4 jams, je vous vois. Je vous ai vu, je vous ai vu. Voilà. Et pour tous ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. Eh bien, sur les lives de Bob Lennon, vous pourrez retrouver l'intégrale de ma série Pokémon Sword avec la team récup, avec la théière, le lave-linge, la gibou, parce que c'est une bougie, la glace, le pigeon et le mouton. C'est littéralement la récupération la plus totale. Et si c'était Shield, vous avez raison, c'était Shield. Et c'était la récup. C'est-à-dire avec quel Pokémon trouvé dans une poubelle, on pouvait finir le jeu. Et on a un pigeon qui est level 100 et il est imbloquable. Allez. Je reviens, je vais boire ma soupe à la tomate. Tout a planté. Nique-moi, j'imagine.
quelques années. Supersonic machine.
Je suis revenu. Brave Jean, je profite. Excusez-moi, pardon. Je reviens. Je profite pour vous réinformer à nouveau que chaque livre de la forteresse du chaudron noir acheté grâce au lien Omake Books qui se trouve juste en dessous de votre stream afin de l'offrir à un cousin, à un neveu, une nièce pour penser à Noël parce que Noël c'est garanti. Chaque livre se verra re-reversé. Merci 100 balles, Julien G, 100 balles oh. Se reverra re-reversé automatiquement. À Action contre la faim. Je l'ai. Pendant un moment, j'ai craqué. C'est pour ça. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. On a fait la tier list Harry Potter. Je vais prendre une capture d'écran. Voilà, je la posterai demain. Là, je suis épuisé. Hop là, voilà, très bien. Et on peut reprendre, braves gens, nous pouvons reprendre ce pourquoi nous étions partis à la base, c'est-à-dire tryharder du Zelda. Et ça, on y croit. J'ai la manette. J'ai un peu froid. D'un côté, j'ai envie de mettre mon pull... mon pull Forteresse Chaudron, enfin mon sweatshirt Forteresse Chaudron. D'un autre côté, ça cacherait le t-shirt Z-Event. Est-ce que je m'accorde du confort ? Ouh, est-ce que je claque le Doulopilou, le Doulopilou Twitch là ? Oh, il a l'air démoniaque. Alors attendez, laissez-moi me démonier. Putain, Dame Dame a mis des paillettes partout, quel enfer. C'est donc ça que d'avoir un OnlyFans. Incroyable. Cet homme joue de la flûte, il avait promis des toupies. Ouais, mais il est parti demain. Demain les toupies. Courage. Demain il y aura du Beyblade. Demain il y aura du Poder. Demain il y aura du Beyblade. Demain il y aura des choses là. On se calme. On va me laisser jouer à Zelda. Panoply of Calassia. Ah, mais je peux pas me gratter les couilles. Personne à gauche, personne à droite. Oh. Les replacements, braves gens. Ah, mais désolé. Hein. Le replacement de quille, absolument nécessaire. Voilà, demain, il y a le travail, absolument. Qu'est-ce qu'on en dit ? Est-ce qu'on en dit qu'on peut repartir, enfin, sur du Zelda, Panoply of Calassia ? Vous remerciant de vos dons exceptionnels, braves gens. On va remettre ça là. Oh là là, oui, j'ai pas vu combien de thunes. Ah merde, ah. Putain, je me suis laissé déconcentrer. Là, pas mal. Où est mon airbox ?
Excusez-moi. Très bien, mon airbox ne marche plus. Fantastique. Mon airbox ne marche plus. Impossible de savoir qui m'a donné des sous. C'est génial. On aime. Alors attendez, c'est moi réparer cette merde. Parce que j'aimerais quand même savoir qui est responsable, tu vois. De la faute de qui. Ok, ouais, voilà. Et merci. Merci donc à Julien G et merci à LafoFis qui a donné 50 balles. Merci à Julien G qui a redonné 25 balles. Ce pilou qui est ultra quali, mais il est quali. Merci à Anonymous qui a donné 7 balles. Merci à Anonymous 50 balles. Et Billy Débrouillard 30 balles. Merci à Major Kill et merci à Doxren. L'argent a été donné, l'argent a été rendu et l'argent a été enregistré comme étant rendu. Est-ce qu'on peut jouer à Zelda Panoply of Calassia, s'il vous plaît? Est-ce qu'on entend bien ma voix sur le jeu? Est-ce qu'on entend bien le jeu surtout? Moi j'aime bien quand les deux sont fusionnés. J'aime bien quand les deux sont fusionnels. Oui! C'est un processus. Brave Jean, j'ai bu une soupe au potiron et je n'ai pas résisté au cuistot qui m'a donné une petite salade de fruits. J'ai maintenant très mal aux dents, mais c'était très bon. Aucun regret. On a déjà tout ce qu'il faut ici. Je sais plus du tout où on en était. Au secours! Qu'est-ce qu'on avait récupéré là? Est-ce qu'on sait ou pas? Merci Warcraft. Je suis persuadé qu'on avait récupéré un truc ici. Oui, j'ai un coca aussi, calmez-vous. Ah oui, il y a ça aussi, voyez, c'est... Zelda, du calme. Merde. Merde. Bon, j'ai tout perdu, ok. Il me troll. Au troll. Merci. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh, c'est pas mal ici. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il faut pas la faire pour le tuer ça? 2, 1. On l'a eu. D'accord, la fée, la petite fée, je rappelle que je contrôle avec la souris, peut faire des dégâts. Ils me font pas mal ces trucs, donc je les crains pas des masses. Ah mais je peux plus utiliser d'armes. Ah, s'il me touche, je ne peux pas me battre. Tout s'explique. Je peux pas me battre pendant un sacré temps en fait. Oula. Ça va bien ou comment ça se passe? Je peux plus me battre. En combien de temps ça part? Ah voilà. Par le bleu, d'accord, c'est ça. Ok. C'est bon, j'ai retrouvé l'épée. Ok, c'est bon. J'ai retrouvé l'épée. C'est bon, j'ai perdu la popote. J'ai perdu l'épée, ok, c'est allé vite. Mais je suis en train de comprendre petit à petit comment ça fonctionne. Je remets les donations de leçons là. Merci infiniment aux gens qui ont donné. Impeccable, allons-y. Hop, tac, tac.
Ça touche. Ah putain. Attends, je suis pas encore baisé. Ah c'est bon, j'ai eu les 4 pots. J'ai eu les 4 pots et ça n'a rien changé. De fait, désenchantons-nous de toute velléité, voilà, très bien. Hop, voilà, c'est bon, on est passé sans rien se faire toucher. Et là, quelle énigme? L'énigme, c'est que ça nous pisse dessus, très bien. Il se dit pas que la petite fée peut bloquer... Ah! Hop là, la petite fée qui bloque les flammes. C'est pas beau, ça? Ah, la chute. Ah, oui, forcément. Ah, mais non. Hop. Voilà, merci, Zelda. Ça compte. Malin l'abeille! Merde, je peux pas la pousser là. Bon. Bon. Impeccable. Impeccable. Il est déjà 2h du mat, il y a moins de gens. Ça se passe moins. On a atteint, je pense, le moment de la nuit. On est à 31 571 pognons. Ce qui est une somme considérable de pognons. Il faut en parler. Il faut oser le dire. Et ça, c'est grâce à vous. Il est mort, ça lui apprendra, tiens. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est ça, c'est le chant des géants. Ok. Non, ça ne marche que si on vient du haut. Quoi qu'attends, on peut le pousser, ça, si? Ah, on peut. Ah, mais du coup, ouais, c'est une baisse. Bon. Oui! Oui! C'est ça qu'on veut voir! Big Brain Energy! Big Brain! Big Brain! El cerveza, le cerveau! Let's go! Je sais que ça veut dire la bière, mais. Bouk bouk bouk! Ah! Vite! Sprite! C'est son nom, hein. Bute-le! Ah non! Qu'est-ce qui m'arrive? Meurs, Satanus! Hey, listen! Bouk! Voilà, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Il a été satanusé. Heureusement que j'ai lu, hein. Heureusement que j'ai lu les instructions. Parce que de savoir qu'il fallait le tuer à la souris, ça aurait pris quand même... On est d'accord, brave Jean, que ça aurait pris quelques dizaines d'années, hein, on est d'accord. Satanus s'est fait exorciser, ouais, absolument. Il a essayé de revenir, mais vous avez vu, il est reparti direct. Hein. Pas de Satanus ici, hein, pas de Satanus. On a la clé du boss, ça c'est une bonne nouvelle. Bouc, bouc, bouc. Très bien. Oui. Bouc. Bah alors. Bah. Ah. Comment on passe par là? Rien n'est moins sûr, brave Jean. Rien n'est moins sûr. Tout n'est qu'un mystère, empli de désir et d'espoir solaire. Ah, voilà. Ah,
Oh, c'est malin. C'est malin. Malin, 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 attention. Arrière, arrière. Recule. Tu recules. Tu recules. Lui, il est possédé, si tu veux, voilà. Petite fée, mais on est full live, donc ça sert à rien. Ah. Ah. Attends. Oh, ça a donné 250 balles! Oui, merci Crash 2, 250 balles! Merci infiniment, mes excuses. Hein. Je suis désolé, je suis pas réactif. En même temps, il n'y a pas le Jean-Claude Van Damme qui me dit quand on gagne de l'argent. Lorsque je relançais le stream demain, normalement ça devrait marcher. Hein. Ça devrait marcher. Hein. Si vous avez des idées, je suis preneur là. Ah, c'est peut-être le sable là. Non, c'était pas ça. Tu avais trouvé un chant à faire juste avant, mais j'ai pas d'instrument pour ça. Non, je l'ai pas celle-ci, les gens. Je peux pas pousser ce bloc. Non, j'ai pas pu. J'ai pas non plus la clé. Obviously. Non, pardon. Ah, voilà, bien joué. Ouais, on a une clé, super. Avec ces clés, on peut avancer, on avance. Hop. Impeccable. Ah, je vois. Zelda. Link. Ouais, c'est bon, on y est. Qu'est-ce que c'est? Ok. Voilà, il a éteint les feux parce que c'est une bonne fée. Et ça, c'est... Vous avez la flûte. Jouer des notes avec plus c'est A, appuyer sur map pour la... Pardon ? Ha !
Attends, je vais essayer de les faire de tête. Ok. Ah merde, ça marche pas. Attends. Ah, c'est ça. Ah. Ah non, c'est pas la bonne. Ok, Ah ok, on va arrêter les mélodies au pif. On va arrêter les mélodies au pif, brave Jean, j'ai fait des trucs, j'ai fait des formules magiques, je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien. Ok, très bien. Voilà. Attends. Non plus, non plus. Attends. Attends. Arrête. Et celui du jour, c'est... D'accord, donc maintenant je peux faire pleuvoir, je peux sans doute forcer le jour, et le reste, still got it, ouais. Still got it, hein. Monsieur, votre gameplay, monsieur. Zelda. Droite, gauche, gauche, haut. Gauche. Well, excuse me, princess. Well, excuse me. Oh,
Well, excuse me. Armos. Enlarge your sword. Une épée plus grosse. Voilà. Hey. Attends, j'ai oublié celle-là. C'est moi, Impa. Certaines musiques sont différentes pour Link ou pour Zelda. Poder. Madame. Du coup, est-ce qu'on a vraiment plié ce donjon? Parce qu'il y avait un autre coffre, hein, que j'avais pas récupéré, hein. Moi, ça me panique. Voilà. Ça, là. Comment on récupère ça, là? Ça se récupère ou pas du tout? T'as tous les objets importants, d'accord. Viculdo a parlé. Ok, bon. Bon, bah, tant pis, hein, allons-y. Hein. Sauvegardons. En haut à gauche, t'as pas un passage? Non, mais... Ah mais Siviculdo, si tu sais comment on récupère le coffre dans Miaon, pardon, moi ça m'intéresse. Hein. Mais sinon, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh c'est pas ce que je voulais faire, mais... Ah. Ah! Voilà! Pas mal, pas mal. Très bien. Ah bien. Voilà. Ouh, l'argent. Ouais, on a de quoi passer, là. Le fastoche. Hop, au chiotte, ça. Voilà, mon gars. Mieux. Impeccable. Ah, là il y a un temple, brave Jean. Alors quant à savoir comment on l'atteint, ça c'est une autre question. Ah, je peux pas récupérer le diamant, je suis dégoûté. C'est bien, on les bute d'un coup maintenant. Vous remarquez... Ah ! Vous remarquez que ça va mieux. Bouc, c'est bloqué. Vous remarquez que ça rentre maintenant. As-tu vu ? Mais voilà, as-tu vu ? Mais oui, absolument. Oh, le blé. Pain, 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 pain.
Là, il y a beaucoup de choses suspectes ici. Voyons voir. Voyons voir. Secret tout avant. Ah, oui, c'est vrai. Hey! Oula. Le clutch, le talent. Talent, brave Jean. Y'a que ça, hein. Je suis enfermé là. Ah, Dieu merci. C'est bon, Dieu merci. Tout va bien. Ok. Oh, un vieux! Les vieux, c'est mystérieux! Oh, Calassia utilise la magie, cette magie pour survivre et te restaurer ta vie! Link apprend le sortilège de l'anneau. Zelda apprend le sortilège de vie. Les vieux, c'est mystérieux. Ça me coûte des points de magie. Ça a changé mes vêtements de couleur. Et elle, c'est un sortilège de soins. Ça doit me rendre des PV. D'accord, très bien. J'ai une bite. C'est marqué 16 à côté de ma fée. Je sais pas ce qu'elle fait, cette bite, mais on verra bien. Trop bien, ça. C'est frais, par contre. Mais oui. Attends, mais nique-toi. Nique-toi. Attends, Jean. J'en avais pas besoin. J'allais faire le secret tout, mais on s'en va les couilles en vrai. Voilà. Coup de secret tout, c'est pour faire plaisir. C'est juste pour faire plaisir. Ouais, il y a plusieurs solutions à un problème, ok. Le jeu est généreux. Très bien. Et ça me rend un point de magie. Ok. On arrive enfin à faire quelque chose d'à peu près correct. Allons-y. Troisième temple, let's go! Est-ce qu'on est motivé par cette musique? On s'écoute. Ok, let's go! Je vais ramasser ce truc, très bien. Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da-ba.
Oh, y a du scrolling. Ce jeu, y a du scrolling. Oula, 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 oh, 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 fils de pute, qu'est-ce que tu fais, toi? Hé, hé. Voilà, voilà. Mais... chiennasse. C'est bon. Hop, un coup impeccable. Non, faut pas le peler. J'arrive pas à le peler. Ah, je vois. On va commencer par le bas, c'est plus simple. Oh, bah d'accord. Ah merde, mais je peux pas y aller, ouais. Ok. Putain, ça se bloque pas. Ah! Ah! Quelle est cette chienrie? Ils sont en train d'éteindre la lumière. Super, on va être en ambiance là. On va être ambiancé. Pas bien. Ah non, j'ai chu. Je me déteste. Bon, le petit aller-retour. Voilà. Voilà, très bien. Ok, alors... ah, attends, déjà... Sprite, bute-moi cette saleté, là. Mais il meurt, là? Ah, merci, merci. L'argent, l'argent. Merci, infiniment. Ta Zelda est énervée! Ah! Je vois. Ah putain. Je vois le problème. Voilà. Parfaitement involontaire de ma part, je vous prie de bien me croire, messieurs, dames. Pas choix. C'est moi, Impa! La faiblesse de Tunkra est à l'envers! Force d'armes égale? C'est moi, Impa! Essaie de faire face vers le haut quand tu utilises les échelles. Je t'en y vois rien! Oh, il a acheté une clé! Fort aimable! Attends, une seconde, il n'y a que Pouic là. Merci,
Ok, j'ai pu ouvrir cette porte. Derrière, là, il y a une clé, je la vois, mais je peux pas la franchir pour l'instant. Vous avez la plume de l'oiseau. Appuyez sur B ou X un bouton. Mais voilà qui va être pratique! Voilà qui va être de moult utilité! Ça, c'est la salle du boss. Ok, d'accord. Bon, Bravo, t'as appris à sauter. La cohérence de l'open world. Ouais, mais rigole, mais c'est très puissant comme capacité. Le truc, c'est que j'ai pas appris à péter certains blocs. Et c'est un problème. Du moins, ce sera un problème dans le futur, si tu veux, pour l'instant. Ah ouais. Allez. Voilà. C'est ça. Du coup, je peux récupérer cette clé-là. Cette clé-là est moins chère que gratuite. Voilà. Pas mal. Du coup, au sous-sol, il n'y a rien que je puisse faire. Je peux pas péter les blocs là-haut. Hey! T'as pas juste l'escalier en sautant? Oui, t'as raison, c'est moi qui ai oublié. Enfin, c'est moi qui suis pas habitué du coup. Il y a un élément que je manque assez. Merde. 300 balles! Merci au possum savoyard de nous avoir saucé! À 2h30 du mat, hein. Putain, du bout de la bite. C'est pas grave. Mais il y a un élément qui m'échappe, c'est certain. Il y a un élément qui m'échappe, brave Jean. Voilà, Zelda en auto-fire. Là, y'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Thank you.
Il m'a cassé la bouche, hein, j'avoue. Hein. Il m'a cassé la bouche. Bon. Ne paniquons pas, ne paniquons pas. Tour, déjà. Restaurons-nous, restaurons notre vie et rediscutons. Je vais finir par rendre des points de vie. Il va craquer. Psychologiquement, il va céder. Il tiendra pas à ce rythme. Voilà, regarde. Le jeu, il a cédé, là. On creuse. J'avais dit que le jeu, il tiendrait pas à ce rythme. Le jeu, il a cédé, si tu veux. Voilà, on est full life. C'est allé vite. On a bourré, c'est un succès. J'ai pas assez de magie, très bien. J'ai toujours pas compris comment j'ai gagné. Hein. J'ai pas compris non plus. Ouais, moi non plus. Hein. J'ai vraiment compris comment ça marchait, très sincèrement. Très sincèrement. Je suis inquiet par le fait que je puisse pas détruire ces blocs, hein, de quelque manière que ce soit. Mais... Tout va bien? Oui, non, tout va bien. Absolument. Ah, tu me... j'ai pas capté, mais sublime. Là, je viens de comprendre, enfin. Ah, putain, mais je suis mort, en plus. Salaud. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est? C'est le Power Glove? Vous avez le Power Glove. Ah! Maintenant, les attaques normales brisent les blocs. C'est donc ça. C'est pas le bracelet de force, c'est le Handy Glove. Ah, il est mort. Quel sac à merde. Thank you.
Attends, d'abord, dans l'ordre. Déjà ça, là. Ah, les termes, voilà. Les termes, voilà, ça y est, on peut en faire dire les termes. Allons-y. C'est bon, c'est passé. Et là, ça passe ou pas? Non, ça... Ah, si, ça passerait, on pourrait monter, d'accord. Il va falloir le faire, du coup. Là! Ça passe pas. Ah! Si vous avez des suggestions, hein, je vous écoute. Hein. Ah oui, ça c'est gratuit ça. Ok. Cette pièce reste un mystère pour moi. Je comprends toujours pas comment on ouvre cette porte là. Bloc normal sur le bouton. Ah! Cette chute. C'est ça. Impeccable. Excusez-moi, je bouse la souris parce que je sais à quel point ça peut être chiant et... Oula oula, mais lui il a des boucliers partout lui. Ah, sauf de face, d'accord. D'accord, tout s'explique. Vous avez l'échelle, appuyez sur B pour l'utiliser. Hey! Bon, ça sent l'objet à embrouille. Ouais, l'échelle, ça a l'air d'être un objet à embrouille, j'avoue. Hein. Ça a l'air d'un embrouillax corp. Hein. Il y a d'avoir un potentiel guac qui est effectivement très élevé. Hein. C'est moi, Impa. Pour tous les chevaliers, oh, utilisez des flèches ou des épées à bout portant. Très bien. Merci, mamie. Ah, on peut les mettre contre les murs aussi. Ah, intéressant, intéressant, madame la marquise, la duchesse. On peut creuser du coup? Ouais, ça creuse. Ici, c'est une zone à sable. Hein. Les zones à sable, vous connaissez les termes. Des bombes, d'accord. Impeccable. Voilà, très bien. Pas sauter de là. Non, ouais, ça chute. Ok. Je vois. C'est piégeux, il faut attendre. Voilà.
Qu'est-ce que je fais là? Ah! Ah! Un petit raccourci, je vois. Merci à Pabulus qui a donné 100 balles! Ça rentabilise, hein, ça rentabilise. Ah! Big Brain Energy, la boussole, la boussole, la boussole. J'ai bien fait. Hein. Ah. Ah, ça passe. Ça passe, la diagonale, ça passe. Faut bourrer, faut bourrer. Ah d'accord, je croyais qu'il était ok. J'ai fait demi-tour, ok, je vois. J'ai fait demi-tour, mais excuse. Impeccable. Ah, elle tombe, ok. Je vois. Ok. Ok, c'est quand même bien pratique. Ah, et question ? Oui. Bas. Haut. Haut. Gauche. C'est le labyrinthe. On est sorti du labyrinthe. Une fée. Déjà, ensuite. Voilà les termes. Enfin. Ok, pas mal. Pas mal, hein. On jongle pas mal, hein, je vous l'avoue. Hein. Allez, boss. Déjà, Zelda. On invoque le machin. Je sais pas à quoi il sert, mais on va bien voir. Attention.
Ça marche pas! Ça touche! Merci. Brave Jean, je n'ai pas Tricky Towers là sous la main. Et le compte que j'utilise n'est pas à moi. Donc c'est beau. Mais laissez-les jouer, laissez-les profiter. Il y aura sans doute l'occasion d'en faire un peu plus dans le week-end. Là, il est 3h du mat. Laissez pisser, les enfants. Profitons plutôt de Zelda, Panoply of Calassia et surtout de cette délicieuse victoire que je viens de m'octroyer. C'est quand même le troisième donjon, et ça, c'est du miel. Ça va être plié, cette histoire. Plié. Oui, oh là là. Ok, Il fait moche. Il fait beau. C'est allé vite. Alors, on peut aller là. Je vais te prêter quelque chose d'étrange. Rapporte-le si tu me le veux pas. Zelda a l'appareil photo maudite. Appuyez sur map en tant que Zelda. Une menace fantôme, la hante. Alors, je ne sais pas si elle... Alors, elle ne marchera vraiment jamais. Attention aux illusions. Rapporte-la si tu ne la veux pas. Ah! C'est moi ou ça passe le jeu en mode... Ah mais il y a quand même les écrans de chargement. Ah. Regarde, appuie sur le widget. Ah, d'accord. En fait, quand on utilise donc cette mode, ça te passe sur une espèce de map globale. Ça te passe sur une immense image du jeu, en fait. Et du coup, elle n'est pas interactive. Donc en fait, tu vois pas les buissons que t'as coupés, les portes que t'as ouvertes, c'est ce genre de choses en fait. C'est ça qu'il disait que c'était... c'est pour ça qu'il disait qu'elle était maudite et qu'elle était attention aux illusions. C'est parce qu'en fait, quand tu joues dans ce mode-là, c'est compliqué en fait. D'accord, bon. Salutations! Ma feuille en or a disparu, vous pouvez la retrouver? Il veut se torcher ou... C'est pour ça qu'ils disent des illusions, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est pas parfait en fait. C'est foireux du cul. D'accord, tout s'explique. Où est-ce que je suis en Calassia, là? Ouh, attends, ça se creuse, ça. Dommage. Qu'est-ce que ça dit? Je veux du champignon pour une mixture. Bonjour. Pas de champignon. Très bien. Nous n'avons pas de champignon, c'est donc la Zermi, mais c'est pas grave, on continue nos aventures folles en Calassia. Vous avez récupéré une pomme de pin gardienne. La défense augmentera jusqu'à ce que vous soyez touché. Ah, c'est donc à ça que servent les bites. Tout s'explique. Récupérer. Oui, je crois me souvenir où est-ce que ça mène, ça, d'accord. Donc ça, oh, ça raccourcit, ça. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Oh, mec, j'ai mis des photos! Ça ne marche pas, d'accord. Merde, j'ai chu, ok, d'accord. Bah écoute. Oups. «
Ouais, ça m'amène là, ok, au sud de la map. Très bien, tout s'explique. Bon bah explorons en bateau. Ouh, ça a l'air suspect ça. Je peux pas y aller. Ça par contre ça a l'air... Ouh. Dangereux ici hein. Ici ça n'économise pas les munitions. Hé hein. Hey, augmentation de magie au poder. Pourquoi je peux plus bouger? Merci. Et attends, c'est du poder ça. Hop. Très bien, 25 points d'XP, c'est gratuit. Ok, très bien. Oups, pas ce que je voulais faire. Pas ce que je voulais faire. Ok, très bien. Tout va bien? Tout va bien, ça continue de donner à travers la nuit. Je vous êtes avec moi jusqu'au bout de la nuit. On est sur Zelda Panoply of Calassia. Et pour l'instant, je m'éclate comme un petit fou. C'est ce rom hack est incroyable. Très bien. Absolument incroyable. Je veux dire, il y a tout dedans. Très bien. Là, attends, l'échelle, là. Ah! Ah! Nique les abeilles. Pas d'idée de comment récupérer ce chat, par contre. Hein. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais, hein, mais on y va. Hein. L'important, c'est d'y aller. Et le plus vite possible. Ça se pète, ça? Non. Wait. Wait, nique la police. Non. Book. C'est offert. C'est la maison qui régale. Voilà. Ah, je reconnais l'endroit. D'accord, on est près du village. Ok, on est là. D'accord, je vois. Ok. Tout va bien. Qu'est-ce qui nous manque? Le village! Excellent! Donc là, on peut sacrifier des levels pour gagner... Je ne sais plus, je crois qu'on peut gagner des petits coquillages. D'accord, c'est si on ne les trouve pas. Mon chat a escaladé un arbre, sauf que malheureusement, je ne peux pas le faire descendre, madame. Je n'en ai pas la capacité. Acheter des choses. On va acheter des beans. On va même en acheter une ou deux, tu sais quoi. Voilà. Pour être sûr. Je peux plus acheter... Si, c'est bon. Voilà, j'ai acheté 3 beans. Comme ça, à mon avis, on est calé en beans. On n'a plus de problème. Ça, c'est mort. Ça, il n'y a plus rien à faire. Voilà, ça, c'est nos richesses. Ça, c'est la maison. Un boomerang pour 220 balles. Ok, keyring. Ah, d'accord, ça m'alerte quand il y a des clés dans le donjon. D'accord, c'est intéressant. Ok. 220 balles, quand même, le boomerang, c'est cher. Hein. $220 pour le boomerang, c'est cher. Allez. Link a le boomerang et Zelda a le boomerang magique. Quelles sont les différences? hmm.
Pas mal. D'accord, ça revient quoi qu'il advienne. Ok, en termes d'objets, ça attrape rien. Ça attrape rien, super. Bon, j'ignore quelle sera l'utilité réelle de tel objet, mais on espère que ça en aura une. On joue au jeu de l'argent. Oh oui! Du jus. On veut du jus. On peut pas monter sur le toit avec l'échelle? Excellente suggestion. Non. Malheureusement, non. Bon. Du coup, nous sommes encore Keblo en Calassia. D'accord, je vois. Ok, c'est la même map en fait. Ça te ramène au même endroit à chaque fois. Ah, merde. Ah oui, je vois. Là. Voilà. Voilà, on y est. On est sur la nénuphar, d'accord. Petit passage sympathique, sympatoche, sympatouche. Voilà, prout. Ok. Je suis où, là? Dans le labyrinthe au susboule, ok. Et ça, par contre, il me faut juste l'appel pour le passer. C'est gratuit. Oh, il y a un vieux. Les vieux, c'est mystérieux. La technique de l'épée chargée et la technique de la flèche chargée. Bien. Bien, les mecs. On apprend des choses, là. Voilà. Bien. J'en ai trouvé un argenté, je sais pas ce que ça vaut. Je me suis paumé. Je me suis paumé, très bien. Pas surprenant, vous me direz. Qu'est-ce qui se passe ici? Des ennemis dissidents, d'accord, très bien. Ok, bah ils étaient dissidents, ils étaient énervés. Pas de problème, monsieur le juge, aucun souci. Un passage secret. C'est un secret pour tout le monde. 60 balles! Eh hey, paye, mon gars. Très bien, de l'XP. Je peux pas atteindre la caverne, d'accord. Et ça, c'est pas un port, c'est un pont, d'accord. Ok. D'accord. Très bien, bon. Et bien à partir de là, par contre, je sais pas où se trouve le quatrième donjon, et j'avoue que je ne plus avoir pas beau, ne plus avoir d'idées. Je suis ouvert à vos suggestions, braves gens. Gratuit.
Je peux maintenant allumer les torches pour y voir ma bite. Essentiel. Oh, mais ça, c'est gratuit, ça. Attends. Regarde ça. Bouc, bouc, bouc. Merci. Merci d'avoir joué. Les ennemis ne veulent pas sortir, moi j'étais patient. Ah, eh bien ça. Offert. Gratuit. Très bien. Très bien ça. C'est pas un donjon ça? Il y a un buisson sur la route. Les gars, quatrième donjon. Donjon de Yokoi. Vikuldo, est-ce que t'as un thème du feu Parce qu'il faut les musiques là. Allez, ça c'est pour nous rendre fous, let's go. Putain, j'ai mal au genou. Oh la vache. Allez, on va se rendre fous, c'est parti. Mon gars, bouc, bouc. Et attention, coup de maître, coup de génie. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Putain. C'est une vraie ligne. Ok. Mais c'est pas un item de Skyward Sword, ça? Mais c'est qu'on se met bien. Oui, petite livraison Amazon.
besoin Amazon, ça comme 500 balles. Merci Sleeping Forest qui vient de donner un demi-millier à lui tout seul et nous plonger à 32 654. À riche. Le terme c'est riche. La max. Merci infiniment. Allez, mourez nudiste. Voilà, merci. Hé hey ! La lanterne rouge et la lanterne bleue. Et ça la remplace ? Ça la remplace, d'accord. Ah. Ok, ouais. Ah. Ouais, d'accord, je vois. Ok, très bien. Le rouge pour le bleu pour le rouge. Fantabomb Force, full force. Bien sûr. Oui, du coup. Petite livraison Uber. Deliveroo Amazon. Merci d'être passé. C'est dégueulasse. Bob, c'est quoi le prochain Donation Goal? Bonne question. 35 000 vidéos thématiques sur Minecraft avec plus un guest Minecraft si possible. J'essaierai de choper Pierre. J'essaierai de choper des gens. Ah, mais je referai une vidéo Minecraft sur la chaîne. Ah, mon genou droit au secours. Ah. Ah. Je suis désolé, c'est la douleur. Voilà. Double baise. Mario Kart, double baise. Oh, ça marche. Calme-toi, Link. Allez, viens porter, là. Allez, viens porter. Viens te faire molester. Toi, tu te molestes? D'accord, c'est spécifique quand même. Hein. Parfois il a envie, parfois il n'en a pas envie, si tu veux. Hein. Moi je me suis arrêté de me poser des questions. Ah, intelligent. Bon piège ça. Bon level design, on aime. Merde. C'est comme une merde. Seigneur, faites qu'il regarde son retour. Si je reste 500 balles, qu'est-ce qu'il y a? Bob, on voit la scène, on voit tout. Ah, pardon. Mes excuses. Je suis désolé. Ta scène est cassée. Pardon, pardon, pardon. À l'arrache. Oui, non, bien sûr, évidemment. Un stream professionnel, toujours. Veuillez me pardonner. Ah! 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 Ah!
Je ne maîtrise absolument pas cette situation, je tiens à le dire. Pour tout vous dire, même c'est la panique. Hein. Les dalles! Les dalles sont possédées! Nous l'argent. Déjà l'argent. Ensuite. Excusez-moi, Deliveroo. Merci madame. Tant aimable. Ah! Zelda! Il cherche! Tu cherches! J'ai tout mis en attaque, hein! Book! Oh non! Il cherche! Arrière! Level up! Hey! Oh! C'est Luda! Bon! Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Parce que là, je... Non, c'est bon, ils sont pas remords, c'est bon. C'était lol, c'était très lol. Ça marche contre eux, pour des raisons qui me sont obscures. Ok, nous avons la boussole. Pas la carte, mais la boussole. Ok, ouais. C'est moi, Impa. Quand ces saloperies s'envolent, eh ben on vole les en l'air. Oh non. Ah, c'est Gali, ça. Ah putain, mais ils regrandissent, ils redeviennent des vrais eux derrière. Quel enfer. Ah. Quelque chose m'a échappé là. Quelque chose m'a échappé. Thank you.
Ok, ouais, facile, let's go, best of the world, voilà, fastoche. La main dans la bite. Facile. 100% brain, hein. Pas de passage secret. Pas de passage secret, merci madame. Ok. Mais ça se travaille, ça. Je suis mis échec et mac comme une bite. Oh la map. C'est moi, Impa. Je peux te parler avec ta télépathie. Renverse ce avec des pics avec ton bouclier. J'ai compris ça, mamie, t'inquiète. T'éclaté, mamie, ça j'ai. La carte. Bien. Ça vient d'où, ça? Ah non, ils se reproduisent! Mais bon, c'est maîtrisé. Tout va bien. Allez. Voilà. Voilà, ça libère. Voilà, très bien. C'est le début. Très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire qu'on maîtrise la situation, brave Jean. Croyez-le, croyez-le pas. Hein. On est en plein contrôle. J'ai plus de bombes! Alors que là, il y a une salle secrète, c'est 100% sûr! Qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Merci en tout cas à tous ceux qui ont donné encore de l'argent à cette heure-ci. Les gens qui croient, les gens qui se battent, les gens qui maintiennent. Malgré la fatigue, malgré le fait que demain, je vais reprendre à 16h, je sens. Le temps de me remettre. Ah mais 3K c'est incroyable, hein. Vous avez été mais une efficacité mais redoutable. Mais nique-toi. Le mec il garde le pont comme ça, il croit il peut faire payer un péage, il y a cru. Oh il a cru, il a vu des. Il a pris des vessies pour des lanternes, y a pas de problème. Zéro frame. 108 boulasses, mais oui. J'ai toujours pas compris qu'elle était le même, mais tant que l'argent coule à flot, j'ai rien à dire.